Donc, comme vous l'avez compris dans la précédente intervention, c'est pas parce qu'un médicament il a une AMM que c'est pertinent de l'utiliser nécessairement. Ben, moi, je vais aller encore plus loin. C'est pas parce qu'un médicament a une AMM dans une indication qu'il faut l'utiliser dans une indication externe à son indication première. Encore moins, je dirais, en principe. Voilà. Même s'il peut y avoir quelques exceptions. Donc, je vais commencer ce sujet avec quelques informations réglementaires. Et notamment à propos donc de l'autorisation de mise sur le marché. Dans le système français, l'autorisation de mise sur le marché comporte trois annexes. Une qui est celle qui nous concerne le plus directement, qui est le RCP, le résumé des caractéristiques du produit. Donc c'est ce que vous appelez souvent les informations du Vidal, parce que finalement c'est ce que vous connaissez le mieux, mais il y a d'autres bases de données médicamenteuses, comme ça a été dit ce matin, qui sont parfaitement concurrentes avec le Vidal, notamment la base Claude Bernard et la base Teriac, qui est plus indépendante de l'industrie probablement que les deux précédentes. Il y a une notice qui, elle, s'adresse davantage aux patients, c'est la notice papier qu'on trouve dans les boîtes de médicaments. Et puis, il y a la boîte elle-même, le conditionnement avec son étiquetage et les informations, par exemple la DCI qui peut apparaître sur la boîte de médicaments. Donc, il y a différentes définitions de la prescription hors AMM, mais la définition européenne, c'est la suivante, c'est une utilisation intentionnelle d'un médicament non conforme aux mentions légales figurant dans le résumé des caractéristiques du produit. Donc vous noterez bien le mot intentionnel, j'y reviendrai tout à l'heure dans la discussion. Donc il y a un cadre légal relativement étayé en France autour de la prescription hors AMM. Ce n'est pas quelque chose de banalisé, c'est vraiment du hors-piste, si on peut dire comme ça. Et donc c'est censé être justifié par une absence d'alternative médicamenteuse appropriée qui disposerait soit d'une AMM dans le cas général, soit d'une autorisation temporaire d'utilisation. Alors je dirais tout de suite qu'en médecine générale, c'est, dans mon expérience, c'est assez rare qu'on prescrive des médicaments qui ont le statut d'ATU. C'est pas fréquent. Et il faut de plus que le recours à l'indication hors AMM soit jugé indispensable au regard des données acquises de la science et dans le but d'améliorer ou de stabiliser l'état clinique du patient. La fin de cette phrase paraît un peu une évidence. Le prescripteur, et alors une fois que ces conditions sont remplies, il y a des contraintes en fait, formelles, pratiques, qui sont que le prescripteur à ce moment doit porter sur l'ordonnance la mention hors AMM explicitement, que dans son dossier médical, enfin ou dans le dossier médical du patient, il doit justifier sa décision de prescription hors AMM, et enfin, qu'il doit informer le patient de ses choix, donc à commencer par le statut hors AMM de la prescription, mais aussi du pourquoi de ce choix, à savoir l'absence d'alternatives médicamenteuses appropriées, mais aussi des conséquences de ce choix, donc des risques éventuels encourus par la prise de ce médicament dans cette circonstance, avec les choses qui sont connues et les incertitudes éventuelles, de façon plus générale, des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament. Et enfin, des conditions de prise en charge par l'assurance maladie, ce qui veut dire, dans le cas général, de l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, comme ça a été rappelé ce matin. Donc ça fait beaucoup de contraintes, en réalité, autour de la prescription hors AMM. Donc pourquoi il y a tant de contraintes ? Bah parce qu'il y a quand même un certain nombre d'enjeux, en réalité, qu'il ne faut absolument pas banaliser. Donc le premier enjeu qui concerne la santé, c'est que quand on prescrit en AMM, les études montrent qu'il y a plus d'événements indésirables quand on prescrit en AMM que quand on prescrit un médicament dans le cadre de son AMM. Le risque est multiplié par 1,4, alors qu'il est déjà non nul quand on prescrit évidemment dans le cadre de l'AMM. Et c'est vrai chez les adultes, mais c'est vrai aussi chez les enfants, qui sont particulièrement concernés par les prescriptions hors AMM. En revanche, il y a des études qui sont allées plus loin, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure dans la discussion, mais il y a quand même deux grands types de prescriptions hors AMM, qu'on pourrait dire la prescription hors AMM qui est justifiée scientifiquement et celle qui ne l'est pas. Quand c'est justifié scientifiquement, il y a moins de risques d'événements indésirables pour le patient.
ce qui est un peu logique, parce qu'en principe, on a pris en compte scientifiquement la balance bénéfice-risque au départ de l'opération. Et il y a aussi évidemment un enjeu économique. Les études ont montré que ça augmentait le coût des prescriptions, soit que les médicaments prescrits en RMM coûtent plus cher, soit que les médecins qui prescrivent en RMM prescrivent par ailleurs plus de médicaments. Mais évidemment, ce ne serait pas vrai si on respectait les règles et qu'on écrivait hors AMM sur l'ordonnance et que dans ce cas-là, l'assurance maladie ne rembourserait pas. Ça ne coûterait pas plus cher pour la société, mais ça coûterait toujours plus cher pour le patient, évidemment. Donc, les résultats que je vais vous montrer maintenant sont issus de la même étude que j'ai déjà présentée précédemment, l'étude OPREM, donc qui a été déclinée, vous voyez, sous différents angles. Et cette étude, ici, on l'a utilisée pour décrire la prescription médicamenteuse hors AMM en médecine générale en termes de fréquence et de nature et d'identifier là aussi les facteurs qui déterminent le recours à la prescription hors AMM par les médecins. Et nous, ce qu'on a étudié comme élément de la prescription hors AMM, c'est seulement le respect de l'indication et le respect des classes d'âge autorisées pour le médicament. On n'a pas regardé la durée de prescription, ni les dosages et encore moins les interactions avec les autres médicaments dans l'ordonnance. Mais c'est déjà intéressant en soi. Donc le premier résultat de cette étude, c'est que 18,5% des prescriptions des médecins généralistes sont hors AMM, c'est-à-dire 18,5% des lignes d'ordonnance sur une ordonnance. Donc un médicament sur 5, si vous voulez, est prescrit hors AMM aujourd'hui en médecine générale. Ça rejoint d'ailleurs le chiffre qui a été cité par notre collègue de l'assurance maladie ce matin, même si en fait ce chiffre n'est pas très étayé parce qu'on a peu de données publiées en fait sur cette question. Mais quand vous rapportez ça au nombre d'ordonnances, ça veut dire que près de 40% des ordonnances comportent au moins un médicament prescrit hors AMM, 38,2 exactement. Donc ça commence à être assez considérable. Alors, quels sont les types de prescriptions hors AMM? C'est principalement le non-respect de l'indication du médicament, dans 17,6% des cas, et beaucoup moins fréquemment, dans 1,2% des cas, en raison de l'âge du patient. Les deux critères pouvant d'ailleurs se cumuler dans certains cas. Et données aussi extrêmement intéressantes de mon point de vue de cette étude, c'est qu'on a montré que jamais le patient n'était informé du statut hors AMM de sa prescription. Bon, je ne parle pas là que c'est... Voilà. Et ce n'était pas, évidemment, de ce fait mentionné sur l'ordonnance. Mais même le patient n'était pas informé. Donc toutes les obligations d'information que j'ai rapportées à l'instant, aucune n'était respectée, en réalité, dans aucun cas. Jamais. Et d'ailleurs, on pourrait même s'interroger, est-ce que le médecin lui-même était conscient qu'il prescrivait hors AMM ? Dans un certain nombre de cas. Donc ici, vous avez un tableau qui présente les médicaments qui étaient le plus souvent prescrits hors AMM, indépendamment de leur fréquence de prescription propre, par ailleurs. Et avec l'indication hors AMM dans laquelle ils ont été prescrits. Donc, en tête arrive l'acide acétyl salicylique, l'aspirine, qui était prescrit, donc une fois sur deux quand on prescrit de l'aspirine, c'est hors AMM. Et l'indication la plus fréquente de la prescription hors AMM, c'est l'artériopathie des membres inférieurs. Voilà. Donc peut-être ça étonnera les plus jeunes médecins, mais l'aspirine n'a pas l'indication dans l'artériopathie des membres inférieurs. Voilà. Ensuite, il y a l'oméprazole, qui était prescrit dans certains cas hors AMM dans la prévention des lésions induites par les AINS. C'est dans l'AMM si le patient il a plus de 65 ans ou s'il a des facteurs de risque, mais ce critère n'étant pas toujours respecté, c'est souvent hors AMM si on le prescrit à des patients de moins de 60 ans sans facteurs de risque et qui de surcroît n'ont pas eu de fibroscopie. Mais ça, on n'avait pas l'information dans cette étude. Je continue. Le diclofénac en forme topique, dermatologique, qui était prescrit fréquemment hors AMM pour des douleurs
bon, non, plus ou moins non spécifié, ça peut être par exemple la prescription chez un enfant de moins de 15 ans, puisque l'AMM, si je ne me trompe, ou de 12 ans, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, en principe, on peut pas, il n'y a pas l'AMM chez les enfants pour le diclofénac sous forme topique. Le salbutamol inhalé, qui est fréquemment prescrit dans, soit dans des bronchites aiguës ou dans des bronchiolites hors de toute AMM, et d'ailleurs en dehors de toute recommandation. La prednisolone péros dans une toux, avec un résultat de consultation qui était la toux. Donc c'est fréquent. L'amoxicilline dans les infections aiguës des voies respiratoires supérieures, qui sont quand même, dans le cas général, présumées d'origine virale. Un autre IPP, l'ésoméprazole, prescrit dans les douleurs épigastriques, qui n'est absolument pas, j'espère que vous le savez, une indication de prescription des IPP. C'est le reflux gastro-œsophagien qui est l'indication, mais pas la douleur épigastrique. Le mométasone nasal, le nom de marque a été cité, je crois, tout à l'heure, c'est un spray nasal qui est indiqué dans les infections aiguës des voies respiratoires supérieures et qui est souvent prescrit dans les allergies, qui a l'AMM dans les allergies et qui est souvent prescrit dans les infections aiguës des voies respiratoires supérieures hors indication. La vitamine D, qui est prescrite dans l'ostéoporose, probablement à juste titre, mais il n'y a pas l'AMM. Et le bisoprolol, semble-t-il, n'a pas l'AMM dans l'hypertension artérielle. Ou en tout cas à certains dosages, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Ce qui est assez troublant. Donc en tout cas, vous pouvez constater, au vu de cette liste, qu'il y a des prescriptions hors AMM qui peuvent sembler justifiées et d'autres qui sont critiquables. Alors ensuite, on a regardé les facteurs qui étaient associés à la prescription hors AMM, là aussi en distinguant les facteurs liés aux médicaments, à la consultation ou au médecin. En ce qui concerne le médicament prescrit hors AMM était plus souvent un médicament initié plutôt qu'en situation de renouvellement. L'objectif était plus souvent non spécifique ou symptomatique, si vous voulez, pour reprendre l'expression de ce matin, chez un patient qui est déjà connu antérieurement. Plus l'ordonnance est longue, plus il y a de chances qu'il y ait des prescriptions hors AMM, ce qui peut laisser entendre que ça peut être parfois les mêmes médecins qui prescrivent beaucoup de médicaments et qui prescrivent beaucoup de médicaments hors AMM. Assez étrangement, les médecins exerçant en milieu rural prescrivent plus souvent hors AMM que les médecins exerçant en milieu urbain. Et enfin, les médecins qui reçoivent les délégués de l'assurance maladie prescrivent moins souvent hors AMM. Ça fera probablement plaisir au docteur Sukowski. Voilà. Donc, les médecins qui reçoivent les dames prescrivent moins hors AMM. Voilà. On avait aussi testé la visite de l'industrie pharmaceutique. En fait, ça ne ressort pas dans le modèle. Donc, on ne trouve pas d'influence de la visite de l'industrie, des délégués de l'industrie pharmaceutique sur la prescription hors AMM. Nos résultats, en fait, avec donc une fréquence de 18,5% des médicaments, est assez proche des rares estimations internationales qui existent par ailleurs, et notamment l'étude de référence qui est américaine, qui date un petit peu, mais qui a été faite aussi en médecine générale, et qui s'intéressait au seul critère de l'indication, trouvait 21% de prescriptions hors AMM. Et puis il y avait une étude française faite par la SFMG, mais sur un nombre limité de situations cliniques, qui trouvait une estimation de 19,3%. Donc on est vraiment dans le même ordre d'idées, retenez un médicament sur 5. Donc ça a évidemment des implications déontologiques, puisqu'en fait les obligations déontologiques sont mal respectées, ou ne sont même pas respectées, puisque le patient n'est pas informé, alors même que c'est une obligation légale, et ça va même plus loin, c'est même opposable devant la justice en cas d'accident ou en cas d'événement indésirable grave associé à cette prescription hors AMM. Alors, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, il semble que la prescription hors AMM ne soit pas toujours intentionnelle de la part du médecin, ce qui remet d'ailleurs en cause la définition officielle européenne avec ce critère d'intentionnalité. Parce que, en fait, les médecins
ne connaissent pas toujours. Parce que c'est compliqué et qu'il y a parfois des indications variables au sein d'une même classe thérapeutique et que les médecins ont du mal à s'y retrouver en réalité, ou que ça prend beaucoup de temps d'aller vérifier les indications propres à chaque molécule au sein d'une classe thérapeutique. Et parfois même entre un principe, si c'est générique, il y a des situations un peu baroques où les indications peuvent varier. Alors, comme je l'ai dit, il y a des pressions en RMM qui peuvent être pertinentes et d'autres qui ne le sont pas. Nous, on n'a pas pu explorer ça véritablement pour mesurer la part des prescriptions justifiées, mais l'étude américaine de référence avait fait ce travail et c'est assez intéressant d'observer que seulement dans un quart des cas, la prescription hors AMM était considérée comme justifiée. Et dans trois quarts des cas, elle n'était pas justifiée scientifiquement dans cette étude de référence. Donc nous, dans notre étude, par exemple, on pourrait dire que la prescription d'aspirine dans l'artérite des membres inférieurs pourrait paraître justifiée, encore que, si j'ai bien compris, l'étude que Rémi t'a montrée ce matin va plutôt dans le sens opposé, non, sur l'utilisation de l'aspirine en prévention. Voilà. Donc même ça encore, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, les recommandations de la HAS encouragent à prescrire l'aspirine dans cette situation clinique, donc c'est légitime, ou c'était légitime de prescrire hors AMM l'aspirine dans cette situation. On peut aussi considérer que, bon, même si ça ne respecte pas parfaitement les données de l'AMM, prescrire l'oméprazole pour prévenir des lésions induites par les AINS, ça pourrait faire sens, même si ça soulève des problèmes économiques. Il n'est pas sûr que la balance bénéfice-risque soit complètement inversée. Par contre, il y a d'autres situations qui sont plus clairement non justifiées, comme par exemple l'utilisation du salbutamol dans la bronchiolite ou dans la bronchite. Il n'y a pas véritablement de recommandation, mais il y a une conférence de consensus, par exemple, sur la prise en charge de la bronchiolite, qui dit de ne pas utiliser le salbutamol dans cette situation. Et pareil pour l'amoxicilline dans les infections aiguës des voies respiratoires supérieures, dans le cas général. Et la prednisolone n'a pas non plus d'autorisation dans la toux, et je pense que c'est discutable de prescrire de la cortisone par voie orale pour un traitement symptomatique d'une toux. En tout cas, à une grande fréquence. Donc, on a pu observer qu'il y avait des déterminants multiples. Je vais peut-être un peu passer peut-être sur cette discussion-là et arriver peut-être vers la conclusion. Donc, il y a eu un rapport il y a quelques années, il y a 4-5 ans, qu'on a appelé le rapport Bégaud sur la prescription des médicaments en France, qui disait qu'il y avait beaucoup de problèmes autour de la prescription des médicaments, déjà à commencer par le fait qu'on est un pays très prescripteur de médicaments comparé aux autres pays européens, et que probablement c'était lié à un défaut de formation en quantité et en qualité. On a coutume de dire que les étudiants en médecine, par exemple, sont peu formés à la pharmacologie durant le deuxième cycle des études médicales. Ça, c'est un élément. Ensuite, c'est un peu comme pour la DCI ce matin, le problème des outils qui pourraient nous aider à faire mieux, et en particulier les logiciels de prescription qui, de ce point de vue, sont assez peu performants. C'est extrêmement chronophage d'aller vérifier les indications de l'AMM pour tous les médicaments qu'on prescrit, et plus les contre-indications, plus les interactions. En fait, si on le faisait systématiquement pour des ordonnances qui comportent plusieurs médicaments, à chaque fois qu'on réévalue l'ordonnance, c'est extrêmement chronophage. Et je pense que la médecine mériterait davantage des systèmes d'aide à la prescription qui, d'ailleurs, idéalement, intégreraient le niveau de preuve scientifique des médicaments dans chacune de leurs indications, en réalité. Parfois, on trouve des données disparates dans le RCP avec des résultats d'études sur les seuls éléments d'ailleurs dont on peut disposer dans ce cadre. On a du mal à évaluer d'ailleurs le niveau de preuve de ces études en réalité. Et puis, c'est d'ailleurs très difficile déjà de naviguer dans les RCP, dans la majorité de ces bases de données. Vous n'avez aucun lien hypertexte, vous ne pouvez pas faire une recherche sur un mot. Enfin, c'est très mal fichu, si je peux dire, quoi. Voilà. Et un autre aspect, c'est qu'il faudrait développer aussi, et ça a été dit tout à l'heure, les systèmes de surveillance après mise sur le marché des médicaments pour pouvoir identifier le plus tôt possible des effets indésirables qui n'étaient pas connus auparavant.
Et puis éventuellement aussi pour mettre en évidence, pourquoi pas, l'efficacité de médicaments dans une indication hors AMM, pourquoi pas. Et enfin, il faudrait réviser la définition internationale, ou en tout cas la définition européenne que j'ai présentée tout à l'heure, et en particulier, me semble-t-il, retirer ce critère d'intentionnalité. Quand on voit la réalité des pratiques, ça n'a pas grand sens de parler d'intentionnalité. Ou si on avait mesuré, selon cette définition strictement, la prescription hors AMM, on aurait trouvé qu'elle était beaucoup plus faible que celle que j'ai rapportée. Et je pense que ça aurait été dommage. Donc en conclusion, près d'un médicament sur cinq est prescrit hors AMM en médecine générale sans que les patients en soient jamais informés. Certaines prescriptions hors AMM fréquentes ne sont pas justifiées, je les ai citées tout à l'heure. Et donc il serait utile d'améliorer la formation médicale et les logiciels de prescription et de continuer à utiliser la visite des délégués de l'assurance maladie qui, de ce point de vue, apporte plutôt un garde-fou. Et enfin, standardiser la définition des prescriptions hors AMM. Voilà. Je vous remercie.